Mohamed Hamemi, directeur marketing produit Apple chez iStore. Donc on est là pour parler de la sortie tant attendue du nouvel iPad en Tunisie. Cette innovation de chez Apple, on l'a attendue nous aussi, donc chez iStore. On pensait que le lancement allait avoir lieu fin mai, donc le 12 mai, comme c'était prévu chez Apple et chez nous en Tunisie. Et donc voilà, il y a eu des retards dans l'homologation, ce qui nous a ramené au mois de juillet le nouvel iPad Fitoons. Ce produit est révolutionnaire, ou plutôt résolutionnaire comme on l'appelle en Europe et aux États-Unis. Ce surnom qui lui est donné est dû à la résolution fulgurante en terre où l'écran Retina elle est hindoue. Donc voilà, nous, iStore, Fitoons, on essaie au mieux de recréer l'expérience Apple. On essaie un volet d'éducation, les chabounamlou. Nous, Fitoons, on n'est pas assez éduqués par rapport aux produits Apple. Les gens connaissent bien l'iPhone, un peu moins l'iPod, mais voilà, donc on veut leur inculquer cette culture de Apple, qui est un concurrent principal des produits PC. Et autre chose, c'est que nous, on est des revendeurs premium de Apple Fitoons. Et on est des authorized service provider, donc on est des fournisseurs de services Fitoons. Ce nom-là signifie que nous, on n'est pas en train de vendre des produits Apple simplement. iStore, c'est le produit iStore, c'est un service en soi. Donc il y a l'accueil, il y a l'expérience client à l'intérieur du magasin, il y a le service client, il y a la SAV, il y a la relation avec le client qui diffère. Donc on veut créer tout un pack de produits qui sont substantiels et qualitatifs, mais qui font la différence. Mais il sort avec le sourire, il sort avec sa machine, il sort avec la garantie iStore et la garantie Apple, il sort avec la garantie de service aussi. Au moindre problème, il va trouver une équipe de conseillers à sa disposition. Donc voilà, nous on est là, fille géant, fille mon plaisir, on va ouvrir bientôt de nouveaux points de vente. On invite tous les auditeurs et on invite tout le monde à venir nous visiter et à essayer les produits et à voir cette expérience. On veut justement les inviter à essayer cette expérience, à s'immerger à l'intérieur d'un iStore et voir la différence. Selim Bahder, directeur commercial iStore Tunisie. Je voulais donc parler de cet écran Retina, il fait 3,1 millions de pixels. Bon, cet écran, il est très très net. De telle façon, c'est le maximum de pixels, il est dans une chose comme l'œil humain. Majoud, bien sûr, le nouvel iPad qui m'a fait l'iPhone 4S. Ajouté à ça, on trouve que le nouvel iPad forme la dictée vocale. C'est une option en Siri. Donc, on trouve que l'iPad fait l'application Note, fait l'application Mail, fait iMessage. De telle façon, on ne peut pas dire qu'on peut écrire par exemple un message ou un email. Zed a fait la puce A5X, elle est la nouvelle puce Apple. Qui équipe le nouvel iPad. Elle est très rapide et 4 fois plus rapide que celle de l'iPad 2. Aussi, il est équipé du nouveau capteur de 5 mégapixels. Et l'ISA en très haute définition et en HD 1080p pour le vidéo. Les prix du nouvel iPad démarrent à 999 dinars pour le modèle Wi-Fi 16Go et à 1249 dinars pour le modèle Wi-Fi plus cellulaire. Juste pour préciser que qui s'appelle cellulaire parce que la 4G on ne la trouve qu'aux États-Unis et au Canada pour le moment. Donc Apple a été obligé de changer le nom. Je tiens à préciser que l'iPad 2 est toujours commercialisé pour le modèle 16Go Wi-Fi, c'est le modèle 16Go Wi-Fi plus 3G à partir de 799 dinars.